Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. L'investiture du gouvernement Toluca devrait intervenir d'ici le 12 juin prochain à l'Assemblée nationale. Les consultations continuent. Hier, le président Vital Kamerhe était avec les MLC de Jean-Pierre Bemba, l'AFDC de Bahati Lukwebo et l'UDPS. Tous sont favorables pour l'investiture du gouvernement Toluca. Annie Mbalaka pour les détails. Poursuite des consultations des forces politiques de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a reçu plusieurs regroupements politiques ce mercredi 5 juin 2024 afin de trouver un compromis en ce qui concerne l'investiture du gouvernement souminois. Il s'agit entre autres des partis alliés à l'UDPS Tshisekedi, l'AFDCA et AEDC de Modeste Bahati Lukwebo, les MLC de Jean-Pierre Bemba et les regroupements ABD Samaloukonde. Tous sont d'accord pour l'investiture du gouvernement souminois. Nous sommes tombés d'accord qu'il faut investir ce gouvernement. Mais moi, j'ai insisté. Avant de se parfumer, on se lave. Donc nous aurons l'occasion, lors de l'investiture, de nous exprimer pour que demain, on ne frustre plus les regroupements politiques, les forces politiques, ou les simples députés. Je voudrais ici confirmer que le 4AC va aller dans le sens d'investir le gouvernement de la première ministre Soumina. C'est vrai qu'il y a eu des petits soucis, mais ça ne peut pas nous mettre à contradiction pour ne pas accompagner la première ministre Soumina. Parce qu'elle porte le programme du chef de l'État, ce programme dont la population est en train d'attendre. De notre regroupement, la PUA, est partie prenante pour que cette investiture se fasse dans un très bref délai afin de donner la chance à notre gouvernement de faire le travail qui est attendu de lui. Et l'AEDCA sont tout à fait prêts à donner le quitus pour l'investiture du gouvernement de Mme Judith Suminwa Toluca. Nous avons eu à passer en revue certaines questions spécifiques qui sont internes à notre famille politique, l'Union sacrée de la nation. Ce qui est important, c'est la conclusion à laquelle nous sommes arrivés, c'est-à-dire que nous donnons notre quitus pour l'investiture et nous allons soutenir ce gouvernement, nous allons l'accompagner pour rencontrer les attentes de notre peuple. Et ces attentes, vous les connaissez, elles ont été formulées par le chef de l'État, mais elles le seront encore davantage dans le programme qui nous sera présenté. Restons toujours à l'Assemblée nationale avec le caucus de députés de la Tshopo qui a échangé hier avec le président de cette chambre du Parlement. Il était venu solliciter l'implication du président Vital Kamerhe dans le conflit entre Mbole et Ngoli de la Tshopo. Annie Mbalaka pour les détails. Le conflit meurtrier entre la communauté Mbole et Lingola a fait l'objet de cette rencontre entre les élus de la Tshopo et le président de la chambre basse du Parlement. Selon les caucus de la Tshopo, le conflit qui oppose les deux tribus qui se disputent les terres de Lubunga sur la rive gauche de la ville de Kisangani est à la base des déplacements massifs de la population. Un conflit qui prend de l'ampleur et a atteint à ce jour les territoires de Bundu, Opala et Disangi. Dans leurs recommandations, les élus de la Tshopo suggèrent notamment la suspension de cette session et la relocalisation de la population. Ils exigent aussi l'envoi sur place d'une force d'intervention pour procéder au désarmement de tous les différents semeurs des troubles. Nous sommes venus sensibiliser le président sur la gravité de la situation. La commune de Lubunga s'évite de sa population. Il y a également un sérieux problème humanitaire au niveau de la ville de Kisangani. Donc tous ceux qui fuient les affres de ces troubles au niveau de la rive gauche à Lubunga, traversent de l'autre côté de la rive et il y a plus ou moins 100 000 personnes qui sont dans des conditions très difficiles et inhumaines. Nous avons eu heureusement une oreille attentive et de la part du président qui nous a promis de faire un plaidoyer également auprès du chef de l'État pour qu'on adresse ce problème avant qu'il ne devienne ingérable.
Réagissant à ces différentes doléances, le président Vital Kamerhe a pris acte de ces suggestions et a promis d'en faire part au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, comme il l'a fait pour la question du Nord Kivu lors de l'audience qu'il lui a accordée le lundi 3 juin 2024. Vital Kamerhe a par ailleurs annoncé une mission humanitaire de l'Assemblée nationale dans les tout prochains jours pour non seulement assister les victimes, mais aussi s'enquérir de la situation sur terrain avant d'en débattre à l'hémicycle. Politique à présent avec la réunion de la majorité parlementaire au cours de laquelle le coordonnateur des lignes sacrées a invité les députés et sénateurs de cette plateforme politique à s'exprimer. À exprimer leurs ambitions dans toute liberté pour la mise en place du bureau de la Chambre haute du Parlement, nous dit Alain Mbikaï. Après avoir remporté plusieurs sièges à la Chambre haute du Parlement, les coordonnateurs de la majorité parlementaire et secrétaire général de l'UDPS, sénateur Augustin Kabuya, a réuni ses sages de la République, membres de son parti et des mosaïques autour de lui. Ce cadre a permis aux élus de l'UDPS de renouer les contacts entre eux et leur parti. Dans son mot, le chef de file de l'UDPS a commencé à donner la ligne à suivre pendant cette législature, notamment la loyauté, la discipline et la défense des intérêts de la population. C'est dans cette logique qu'Augustin Kabuya a encouragé ses collègues sénateurs à prendre plus les initiatives parlementaires pour la matérialisation de la vision du chef de l'État en faveur de la population. Concernant la mise en place du bureau définitif du Sénat, les coordonnateurs de la majorité parlementaire a demandé à ses hôtes d'exprimer librement leurs ambitions. Selon certaines sources, les présidents et chefs de regroupement politique de l'Union sacrée vont se retrouver dans quelques heures pour débattre sur cette question d'actualité en toute transparence. Pour ce faire, le secrétaire général de l'UDPS a annoncé la tenue de la réunion des députés nationaux et sénateurs de l'UDPS à Kempinski Hotel ce jeudi 6 juin. Retenons qu'à l'élection sénatoriale, l'UDPS et Mosaïque avaient obtenu 43 sièges sur 108. Lancement de la plateforme Mongobay à Kinshasa, le ministre de la Communication et des Médias a pris part à cette cérémonie aux côtés de l'envoyé spécial du président de la République pour la nouvelle économie du climat. La République démocratique du Congo devrait, vu ses potentialités, saisir l'opportunité pour la promotion de nos forêts. Gaëtan Magalano. C'est par ces mots que je déclare lancer la plateforme Mongabay à Kinshasa et je souhaite donc plein succès à la plateforme. Par ces mots, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, lance cette plateforme en Afrique centrale. Vous êtes au cœur du pays solution. Aujourd'hui, on parle de protection des climats, on parle de minerais stratégiques. Hier, on parlait d'uranium. Nous sommes donc un pays solution et nous travaillons comme gouvernement à trouver des solutions pour nos populations. Et les solutions pour nos populations, c'est aussi leur apporter la bonne information sur la compréhension des enjeux et de l'environnement qui nous entoure. Heureux de voir deux ministres du gouvernement souminois participer à cet événement, le directeur Afrique n'a pas caché sa joie. Nous avons choisi la RDC, qui est un pays au cœur du bassin du Congo, pour faire ce lancement. Pourquoi ? Parce que nous avons énormément d'espoir pour ce pays. À son lancement, Mongobay s'est assigné les objectifs de familiariser le public clé en RDC avec l'impact de cette plateforme médiatique et son approche novatrice du journalisme, démontrer comment le journalisme de bonne qualité aide le décideur politique à prendre des décisions éclairées, à favoriser également le dialogue public, à promouvoir la transparence et la rédévabilité. Mettre en avant le rôle du journalisme de solution dans la transformation du récit, inspirer les acteurs critiques à agir pour faire face aux urgences planétaires, notamment le changement climatique et la perte de biodiversité, spécialement au bassin du Congo et en RDC. En prélude des assises des partenariats pour les forêts du bassin du Congo, la délégation du CAFI a eu une séance de travail hier avec les FONARED au centre l'amélioration des conditions de vie de la population, nous dit Chimène Dondon.
C'est une séance de travail dans le cadre du partenariat pour les forêts du bassin du Congo qui se tient à Kinshasa. D'un côté, Bertha Pesti, la chef secrétariat CAFI, et de l'autre côté, Bavon Tsamputu, secrétaire exécutif du Fonds national RED. Des échanges entre les deux parties se sont articulés autour du partenariat, source des investissements diversifiés en RDC. Une belle réussite dans la région. Donc, il s'agit de plus gros fonds des Nations Unies dédiés au climat et aux forêts. Et c'est exclusivement dédié aux pays de la région. Le fonds est actuellement capitalisé à 900 millions de dollars. À la question de savoir si les différents programmes contribuent à améliorer les conditions de vie des populations, le coordonnateur des fonds NARED explique. Ces programmes, en fait, devaient implémenter les différentes réformes mises en amont aux différents ministères sectoriels. Et la deuxième fenêtre, c'est en rapport avec le financement des investissements RED+, des générations de crédit carbone. Et enfin, la troisième fenêtre, c'était en rapport avec le développement d'un grand programme national. Ce grand programme national, celui que nous appelons programme de paiement de services environnementaux, qui devait en définitive drainer des flux monétaires en faveur des populations riveraines aux forêts. Le fonds NARED dote le pays des lois forestières et d'une politique nationale foncière en matière de gestion agricole et gestion durable de forêts. La Commission Climat, Environnement et Développement de la FEC a lancé la première édition du magazine La Minute Écologie, ceci pour permettre la collaboration entre les secteurs privés et les instances publiques nationales et internationales du secteur de l'environnement. Les détails dans ce reportage de Marie-Reine Zeba. La Commission Climat, Environnement et Développement Durable, CCEDD, de la Fédération des entreprises du Congo a lancé ce mercredi 5 juin au siège de la FEC la première édition du magazine La Minute Écolo. Ce magazine a pour objectif principal la présentation de la dite commission et sa vulgarisation. Il servira aussi de tribune d'échange entre les membres de la CCEDD afin qu'ils comprennent de manière collégiale les enjeux auxquels ils doivent faire face dans les domaines environnementaux. Et par la suite, être en mesure d'échanger avec les partenaires des instances tant nationales qu'internationales sur les prérogatives et missions qui leur sont assignées. Savoir que par exemple nous avons déjà signé un protocole d'accord avec l'Office congolais du développement durable, par ricochet donc en avec le PNUD. Nous sommes en train de voir aussi d'autres partenariats avec le programme des Nations Unies pour l'environnement. Nous avons des accords avec le Global Compact, le Global Compact, et nous devons encore développer d'autres accords pour faire en sorte qu'effectivement nous soyons une plateforme, lorsqu'on parle de réunions, de colloques, d'ateliers, d'échanges, où on parle de toutes les parties prenantes, la FEC et le syndicat patronal va pouvoir être en dialogue avec les différentes instances nationales et internationales pour pouvoir vulgariser au niveau du large public les informations liées aux préoccupations environnementales. Ce magazine sera un outil pratique pour cette commission de la FEC qui permettra de partager les éléments langage écologique, de les uniformiser pour parler d'une seule voix en RDC dans les domaines de l'environnement. Le Monde a célébré hier la journée de l'environnement à Kinshasa. La société All West Recyclage a procédé à la sensibilisation et au ramassage de déchets plastiques le long du boulevard du 30 juin. Cette activité avait pour objectif d'assainir l'environnement contre la pollution, nous dit René Longa. Restauration des terres, désertification et résilience à la sécheresse, c'est le thème de cette année de la journée mondiale de l'environnement. La société All West Recyclage de Olga Shirashi Bambe, directeur général, réaffirme son engagement à continuer à évacuer les déchets plastiques à Kinshasa dans les différentes communes. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de l'environnement. On doit protéger l'environnement, on doit préserver l'environnement. Donc ensemble, on est venu pour lutter, pour ramasser, pour réduire la quantité de plastique qui se trouve dans l'environnement. Parce que le plastique n'est pas biodégradable. Ça veut dire que ça ne se décompose pas vite. Ça prend au-delà de 400 ans pour se décomposer. Donc quand on les jette dans l'environnement comme ça, ça pollue l'environnement. Du coup, ça pollue le sol. On ne peut pas faire l'agriculture. Il y a l'insalubrité. Et puis, quand il y a la pluie, le plastique bouche les canaux et ça provoque les inondations.
Donc ensemble, on est venus pour lutter contre la pollution plastique et on ramasse les déchets plastiques et on sensibilise les gens aussi pour faire adapter les comportements responsables vis-à-vis de l'environnement. Donc quand tu utilises une bouteille de plastique, tu ne peux pas le jeter dans l'environnement comme ça parce qu'il va polluer le sol. Ce sera difficile de faire l'agriculture, ce sera difficile de garder un environnement sain. Et le plastique aussi, c'est un danger. Je pense que le plastique, ça prend beaucoup d'années pour se composer. C'est dans le but de battre le plastique. C'est ce qui contribuera à assainir l'environnement en RDC. L'affaire de route, la Commission nationale de contrôle des armes légères et des pick-up est adoptée ce jeudi. Tous les acteurs des sécurités se sont sauvés pour la validation de ces documents biennales. Et dit Tchad. Milliers d'armes libres contrôlées en circulation avec conséquence l'insécurité grandissante sur les territoires nationaux. Le mouvement des armes, le profilage sont les activités principales de la Commission nationale de contrôle des armes et des calibres. Le secrétariat permanent a réuni tous les acteurs du secteur de la sécurité avec la MONUSCO pour élaborer une feuille de route pour les deux prochaines années. Le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le professeur Norbert Yambayamba, salue la participation de tous les services de sécurité. Très heureux que ce service regroupe plusieurs ministères et plusieurs services de sécurité, que ce soit les femmes, la police, que ce soit le service qui travaille dans les cadres d'antimine, dans la DG, l'ANR, tous les services dans le cadre de la sécurité. Le secrétaire permanent de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres, Landry Bissi Ditulombo, a résumé le contenu de cette feuille de route. Cette feuille de route sort du plan national quinquennal. Nous avons prévu des actions à mener pendant 5 ans, mais pour un bon pour une évaluation, il a quand même fallu avoir une feuille de route biennale, c'est-à-dire des 2 ans, pour ressortir les priorités des priorités de toutes les actions prévues pour les 5 ans. La Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres a du pain sur la planche dans ce contexte d'urgence sécuritaire pour tous les citoyens du pays. Ces armes libres doivent être identifiées, sécurisée ou détruite. Freddy, acteur politique désigné ambassadeur de la campagne sur le changement des mentalités. La CELIS le dit, le changement des mentalités s'emploie à intensifier des stratégies pour la réussite. Cette campagne, nous dit Cédric Kenina. Le changement des mentalités, un concept multidisciplinaire qui appelle à la transformation radicale de l'homme en phase avec les valeurs de sa société. En RDC, la cellule d'innovation et changement des mentalités, CICM, est cette structure qui pilote la vie nationale en tant que gardienne des valeurs. Pour intensifier sa campagne pour le changement des mentalités, CICM s'appuie sur des acteurs modèles de la vie associative et Freddy Kidoussou, acteur politique, en fait partie. Ces derniers, après échange avec les coordonnateurs nationaux de la CICM, Jacques Kanga, a été désigné ambassadeur dans cette vaste. Il faut qu'on arrive à comprendre que le pays de se développer. Il faut l'agriculture, il faut, mais on devient politique. Là, c'est vraiment un grand travail de cerveau, un grand travail de nation. Il fait un grand travail et nous devons tous l'accompagner pour que la mentalité de l'homme change. Le développement étant tributaire de la structure mentale d'un peuple, le civisme serait l'unique approche pour atteindre ses buts ultimes. Monsieur le ministre honoraire Freddy Kita, c'est un observateur avisé et qui a compris des choses. C'est difficile pour nous de nous relever comme tant qu'une nation, en tant qu'un peuple, si nous ne changeons pas la compétence, si nous ne changeons pas la société, il a acté d'être un ambassadeur de la CICM, a aussi participé à cette campagne de civilisation pour pouvoir lutter contre un nombre d'antivaleurs dans notre pays. Déjà, Freddy Kita, un homme de terrain, très voyant, plus souvent en contact avec les collègues lambda,
pour accomplir sa mission, celle de la moralisation de la vie, tant sociale à petite échelle que publique à grande échelle. Le directeur provincial de la DIN, Akopé Kouilou III, a procédé hier à la réunion des outils informatiques aux 15 antennes de la DINACOPE et à la direction provinciale. Franklin Kalombo. En vue de la mise en œuvre effective des actions de la deuxième feuille de route du deuxième et troisième trimestre de l'année 2023-2024 qui recommande la réforme et l'équipement des bureaux des directions provinciales et des antennes pour ainsi améliorer les de travail, William Tchinatelou-Foulambo, leader provincial d'INACOPE Kouilou III, vient de procéder ces jours à la remise officielle des 20 kits informatiques aux antennes de la DINACOPE Kouilou III basée à Idiofa. Je tiens à remercier, très sincère félicitations, de gratitude au président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rendu effective la gratuité de l'enseignement primaire et surtout pour sa volonté de doter notre service des conditions de travail efficientes et des outils lui permettant d'atteindre sans encombre ses objectifs. De leur côté, les heureux bénéficiaires de ces outils informatiques n'ont eu que des mots justes pour leur joie. Et d'être à la page avec la numérisation des outils, l'une des réformes de la dynamique. Cette cérémonie riche s'est déroulée en présence de l'UPP, présenté et de décroix, ainsi que les agents de la DINACOPE Kouilou III. Tourisme a admis récemment de prêter serment dès le au sein des missions publiques. Cette action vient de matérialiser la vision de régulariser la situation administrative de tous les fonctionnaires longtemps mécanisés mais non payés. Suivez. Depuis sa prise de fonction à la tête de la police primatire, de la fonction publique et de la fonction de l'État, l'honorable Jean-Pierre Liaou, mais le double, le contenu de service des agents c'est qui 1576 a mis sous statut ville de Bougna 2019, 2020 et 2020 ont prêté serment de fidélité joint de raison sur certaines notions liées à son public, notamment le code de conduite d'un agent de l'État, le règlement de l'administration relatif à la discipline, ainsi que les statuts d'un agent public de l'État. Province de la fonction publique chargée du personnel actif, Iso Abizo parle de l'importance de cette action. À la du 15 juillet 2008, 2009, 2010, qui m'a conseillé par ce serment, s'ajoute 14 000 autres fonctionnaires. En Itou. Les éléments de la 20e région militaire basée à Lubumbashi ont célébré à leur manière la journée de l'environnement. Ils ont appuyé la brigade d'assainissement de leur ville. Et les immondices Alain Bikaï. S'il y a des associations, il y a des ONG, il y a des gens de bonne volonté qui veulent
bien accompagnés. Ils sont vraiment les bienvenus chez nous. Cet appel des maires intermédiaires de la ville de Lubumbashi a trouvé un écho favorable auprès des FARDC et la police nationale congolaise de la capitale qui préfèrent, avec les outils à la main, les hommes en uniforme de la 22e région militaire sont venus en appui à la brigade d'assainissement de l'hôtel de ville pour rendre salubre les centres commerciaux de la ville dirigés par l'honorable Joyce Tunda Chansa. Pour s'assurer du bon déroulement de ces travaux communautaires, la première citoyenne de la ville de Lubumbashi, accompagnée du directeur de génie militaire, a fait la ronde de la ville. Sur la place Gampos, l'autorité urbaine a sensibilisé les photographes qui exercent cet endroit sur le maintien de l'ordre. L'opération Gardons notre ville propre, initiée par la dame de fer de Lubumbashi, produit déjà ses effets et la population s'en félicite. En tout cas, nous disons sincèrement merci parce que l'acte est à saluer. C'est une bravoure, elle a osé la différence. Madame le maire Joyce est à soutenir dans ses actions parce qu'avoir les actions qui impactent comme ça doit être saluée et doit être soutenue partout. Voulant se rassurer du strict respect de la mesure interdisant aux transporteurs de sable et gravier de stationner au croisement des routes Likasie-Kasenga, le maire de la ville s'est rendu sur les lieux. Les constats est satisfaisant, la délocalisation de ces derniers va bon train. Ainsi, Lubumbashi retrouve peu à peu son image d'antan sous la gestion de Joyce Tunda Chansa. Et en religion, la communauté Chapelle de Marie Notre-Dame dès la visitation de la République démocratique du Congo a célébré les dimanches ses 2 ans d'existence au cours d'une Eucharistie spéciale à la Chapelle des Selembao. Redépenda pour les détails. Gloria, Gloria, Nkembo, Nkembo, Ndalan, cette cantique en tenue de la gloire de Dieu a annoncé le double événement de fête à la chapelle Marie Notre-Dame de la Visitation Nodavi, membre de l'église catholique Mariavite, vicariat apostolique pour l'Afrique. À cette Eucharistie spéciale, la célébration de 2 ans de l'implantation de la chapelle Nodavi, de la consécration épiscopale de 3 évêques du Gabon, de la RDC et du Congo Brazzaville, avec l'enseignement tiré de Luc 1, verset 39. Sur la visite de Marie, mère de Jésus à Élisabeth, l'officin du jour, Monseigneur Rifin Bofula, a édifié les fidèles avec les bénédictions reçues au travers de la visite du Monseigneur Ghislain Albert Nzabi, venu de Congo Brazza, et ce, à l'instar de la bénédiction qu'Élisabeth a reçue par la visite et la salutation de sa sœur Marie. Les fidèles ont été exhortés garder l'image de cette bénédiction par la rencontre avec Jésus-Christ par les biais de sa mère Marie, appelée à apporter la délivrance aussi bien spirituelle, morale que physique à toute personne par l'exorcisme. Ces hommes de Dieu ne cessent de plaider aussi pour leur contribution à la paix durable et au développement du pays dans l'amour et l'unité. Message d'unité, avons dit, nous voulons réitérer l'unité entre les chrétiens du Brazzaville, du Congo-Kinshasa et pourquoi pas d'Afrique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal de Cédric Kenina réalisé par Patrick Bapuila et Jado Kapaya. Neri et à nos moutis ont assuré la partie technique. Quant à moi, je vous dis au revoir et excellent.